19 ans et je viens d'obtenir mon bac professionnel comptabilité. Et aujourd'hui, je souhaite m'orienter vers un contrat en alternance afin d'obtenir un BTS et développer mon expérience professionnelle. C'est pourquoi je viens vous voir aujourd'hui. Ça va pas s'arranger, du chômage comme il disait, il a très bien analysé le gars tout à l'heure. Des places, il y en a de moins en moins. Les places sont chères. Donc ça va pas s'arranger. Faut arrêter de délirer, ça va être pire. L'avenir, il est sombre. C'est sûr, mais c'est pas pour ça qu'on est désespéré. J'ai rentré dans une grande école informatique, donc quelques mois plus tard. Je suis reparti voir ces mêmes banques, mais cette fois-ci, avec un statut élève à l'école supérieure internationale d'informatique. Toutes ces banques étaient prêtes à me débloquer 45 000 euros. Donc c'est là vraiment où on voit le... Pourtant, j'étais juste dans cette école, mais rien n'était dit que je pouvais continuer dans cette école. Juste le fait d'être rentré dans cette école me permettait de débloquer 45 000 euros. Donc déjà, le statut social au niveau des jeunes, c'est pour ça qu'on revient à la première question, jeune rural, jeune de cité, jeune... Non, pour moi, c'est pas les mêmes jeunes. Déjà, on voit vraiment cette grosse différence. Rien qu'avec le nom de famille. Finalement, quand on est... On se sent, en fait, discriminé indirectement par rapport à son expérience, ou 500 CV à peu près, parce que je vous ai compté après. J'ai changé de prénom. J'ai commencé à envoyer avec mon CV avec Alexandre Kaya. Du coup, magie. Ah, j'y intéresse. Et là, je passe des entretiens, pour ne pas citer les grosses boîtes comme BNP, Paribas, d'autres boîtes avec des groupes assez intéressants, avec Alexandre Kaya. Merde. Bon, ok. Je viens, je joue le jeu en fait, je passe l'entretien et tout. Je me dis, mais merde, si je suis retenu, ça devient un délicat. Est-ce que eux, ils vont se sentir un peu gênés en disant, tiens, on a fait la discrimination et finalement on a retenu une fausse information? Ou est-ce que moi je vais leur dire, et que prétendre en disant, vous avez fait la discrimination et vous me retenez avec Alexandre Kaya, mais pas avec Alikaya? C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, là je vois on fait que des constats, on constate, mais on n'apporte pas de solution. Là tous les gens qui sont là, je suis sûr qu'il y en a, peut-être qu'ils ont des projets, mais il n'y en a aucun qui part d'ici avec une réponse. Il n'y a pas de réponse, la seule réponse c'est que il faut se battre, tout seul. Tout seul, on ne peut pas changer la France. La France elle est comme ça. Maintenant on sait qu'en France il y a plus de difficultés, mais qui vous empêche de faire des affaires ailleurs? Qui nous empêche d'aller ailleurs? Je voulais créer en France à la base, créer ma paire de chaussures en France. C'est impossible. J'ai traîné pendant 2 ans, on m'a fait, il faut un chef de projet, il faut aussi pour un échantillon, il faut 3 à 4 000 euros pour un échantillon. Alors que dans les autres pays du monde, on peut avoir 25 échantillons dans la journée pour 1 centime. Mes parents sont d'origine turque, donc je ne fais pas partie d'Europe. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je suis athée, mes parents sont croyants, tolérants, avec... ils pratiquent leur religion tranquillement. Donc, eux aussi, ils sont donc très souvent agressés et stigmatisés par rapport à leur foi. Simplement, j'ai plein de choses à dire, mais des difficultés, on les rencontre tous. Moi, ce que j'aimerais, c'est... on fait tous des constats. Mais concrètement, si on est là, nous, c'est pas parce qu'on est professionnel. C'est parce que, voilà, le constat, on le fait comme vous. Et simplement, c'est pas du rêve. Quand tout à l'heure tu as parlé de... oui, on me met des éducateurs, machin, on en prend un du quartier et tout. Moi, la politique des grands frères, ça m'a gonflé dans les quartiers. Enfin, à la base, je suis, j'ai une formation d'animatrice socioculturelle. Évidemment, la politique d'Abil aussi, c'est un échec. Mais est-ce que c'est bien aussi de mettre la même personne qui me ressemble en face de moi, qu'est-ce qui va m'apporter de plus? Moi, l'idée, c'est que, comment dire, comment j'ai évolué mon parcours. Au final, c'est quoi? C'est, je discute avec tout le monde, je repousse mes limites, de quoi je suis capable, qu'est-ce qui me rebute, qu'est-ce qui me plaît. Je vais vers l'inconnu, je voyage dans tous les cercles, parce que pour moi, l'âge, enfin le temps n'est qu'une notion de l'homme,
Il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de vieux, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas de sexe. Un individu, c'est un individu. Basta. L'identité, elle est en perpétuelle évolution. Parce qu'aujourd'hui, je t'ai rencontré, je suis encore quelqu'un d'autre parce que j'ai discuté avec toi. Parce qu'aujourd'hui, je suis venue vous rencontrer. Et ça m'a nourri, donc je suis encore quelqu'un d'autre. Et donc, de rester bloqué sur des questions d'immigration, et voilà, on est tous des passeurs. Il faut bouger. Pourquoi on va mettre toujours en face de moi quelqu'un qui me ressemble? Déjà, ça, c'est cloisonné encore, déjà. Alors, évidemment, on discute, on est content de se voir et tout ça, on a les mêmes codes. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'aller aussi vers quelque chose qui ne me ressemble pas. Donc, c'est pas s'embourgeoiser. C'est pas ça. C'est simplement, voilà, j'ai des choses à t'apprendre, t'as des choses à m'apprendre, c'est tout. En France, il y a approximativement 6 millions de jeunes et 1 million de jeunes au chômage. Deuxième série de chiffres, les jeunes représentent à peu près 22% de la population active et 40% de chômeurs. Donc on voit que cette difficulté d'accès à l'emploi touche les jeunes. Ce n'est pas l'objet du débat, elle touche aussi les seniors. C'est une des caractéristiques de la société française, mais c'était la première remarque. La deuxième remarque, c'est que ce n'est pas un phénomène nouveau, malheureusement. Et on peut dire que la société française fabrique un mode d'entrée négatif des jeunes depuis le milieu des années 70. C'est à partir de ce moment-là que les jeunes deviennent une catégorie sociale à part entière et que des politiques publiques leur sont dédiées. C'est-à-dire qu'on va faire des politiques en faveur des jeunes.